Cette salle me terrorise, quoi. Elle représente un truc hyper... Je sais pas comment dire. Je tangue, quoi. Je vis le truc à 3000%, quoi. De savoir qui a joué. Et puis, c'est très aussi parisien, tu sais. Il y a un truc, un mythe un peu parisien. Et, je sais pas, ça me fait flipper et ça m'excite en même temps parce que quand je suis arrivée à Paris, tu vois, j'étais là, genre, putain... Le Moulin Rouge, l'Olympia, les Champs-Élysées. Et je suis encore un peu comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, je suis encore un peu impressionnée par Paris. Tu vois, genre, je sens que c'est pas chez moi ici. Tu vois, je suis un peu germaine. Je sais pas. Il est quelle heure là? J'ai le temps. On part à 30. Non, oui, on a le temps. Alors, je prends une enceinte parce que je me dis que ça va nous déstresser d'avoir de la musique. Je dis nous, comme si vous étiez stressé de monter sur scène. T'es stressé? Et ça pèse un âne mort, hein. Mais bon, ouais, ça vaut le coup. Je commence à me parler à moi, toute seule, à voix haute. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Va, ne retiens pas tes larmes, ma chérie. Il va falloir tellement de force pour que... ma joie d'être là, ma fierté d'être là, genre, surpasse le stress. Et si j'arrive à faire ça, j'ai tout gagné. Je sais que je vais passer un moment incroyable, mais juste, il faut que j'arrive à faire ça, et c'est un énorme travail, quoi. J'ai tout. Je trouverai jamais ça normal qu'on écoute ma musique et qu'on la... On l'aime et qu'on... Enfin, jamais. Peut-être parce que ça a été compliqué aussi pour moi, peut-être, je sais pas. Quand tout fout le camp, tout est décevant. Quand rien n'est à sa place, me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine, pas même moi. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et c'est bête, mais j'en tourbus. Moi déjà je crois que c'était pas un rêve d'enfant. Je viens de défoncer ta première question. C'était pas un rêve d'enfant la musique. C'est venu comme une nécessité, un truc, mais... comme on n'avait pas beaucoup d'argent et tout, je me disais que de toute façon, il allait falloir que je travaille et que ça, c'était pas pour moi. Et donc, je faisais de la musique sur le côté, mais je me disais, faut quand même que je fasse des études et tout, parce que c'est inaccessible, quoi. Moi, à chaque fois que je cochais une case, j'hallucinais. Mais même premier concert qu'on a donné à l'international, il y avait 50 personnes. Je me suis dit, putain, il y a 50 personnes, c'est ouf, 50 personnes! J'étais comme une dingue. Après, on a fait, je me souviens, le point éphémère, et là, il y avait 300 personnes. Et là, c'était... Mais genre, j'ai appelé mes parents, j'étais genre, c'est complet, il y a 300 personnes, c'est la folie. Parce que c'est pas allé vite, quand même. Hein. Moi, je les ai sentis les années passées. Hein. Mais attends, 8 ans, c'est long, hein. Tu vois, 8 ans, quand même. Dont les 5 premières années à travailler, mais vraiment comme un chien. Vraiment, j'ai fait des trucs... pas cool, quoi. J'allais travailler à pizzeria, le soir je répétais jusqu'à 23h. Enfin, du coup, je me disais, ok, faut que ça marche, faut pas rester des années comme ça. Il faut qu'à un moment donné, ça fonctionne, quoi. Et ça a été une énergie, ça a été fédérateur d'énergie plus que de désespoir, ce truc d'inconfort financier, etc.
Est-ce que c'est pas pour ça que ça a fini par fonctionner? Tu vois, j'avais pas le choix. Vous êtes déjà allé, monsieur, à l'Olympia? Moi? Oui. Jamais. Putain, on s'approche dangereusement, les gars. Dangereusement. T'as pas trop le trac. Oui, mon papa d'amour. Bonjour, ma poulette. On comment est ça? L'Olympia. Non! Mais j'arrive. Vous m'attendez? Où j'arrive, j'arrive. Arrête, j'ai peur. J'arrive! J'arrive, j'arrive. Oh là 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 là. Ah, je te vois. Je réalise à ce moment-là, pas avant, je réalise à ce moment-là que c'est aujourd'hui. Ça va être alors tu veux que je fasse une petite photo? Non, après, je suis pas. Et que c'est vrai, et que ça a fini par payer tous ces... Trop cool. Tous ces efforts. Ouais, bon, de toute manière... Super, énorme. On est là, oui, après avoir rêvé 10 fois à mon nom en lettres rouges sur l'Olympia, aujourd'hui c'est... C'est moi, c'est mon nom. C'est une secousse. C'est une tournée où tout a évolué, où le public a évolué. Je déteste le mot succès, mais en tout cas, la popularité a évolué. Et moi aussi, beaucoup. J'ai l'impression parfois d'avoir créé une mini-communauté hippie. On s'entend tous bien, on riait tout le temps. On s'est trouvés les uns les autres, si on a trouvé notre équilibre, on s'est vraiment, comme dans une famille, comme dans une communauté, chacun a son rôle, chacun a son caractère, ses qualités, ses trucs. Cette vie-là est formidable, c'est un rêve éveillé. Mais parfois on s'ennuie, parfois on est triste, parfois on est désespéré. Parfois on a l'impression de pas du tout être à notre place. Il y a eu, des moments de solitude. On a fait des salles aussi où les gens, j'avais l'impression qu'ils en avaient un peu rien à foutre, ils écoutaient pas trop. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que les gens étaient là juste pour la grenade. Il y a eu des moments où le trac était supérieur en fait au plaisir que j'avais sur scène. Et il y a eu des moments aussi où j'avais l'impression de passer à côté de la vraie vie, où j'avais l'impression de perdre tous mes amis. J'avais l'impression que j'allais rentrer à Paris et que plus personne serait là, que j'allais louper le coche un peu. Parce que c'est une année où j'ai été très mauvaise en relations humaines. Une année où en fait j'ai été absente quoi. De vie amoureuse, j'ai pas eu de... J'ai perdu pas mal de gens qui pensaient, ou que je pensais être mes amis. Un moment comme ça où on a l'impression que notre vie sociale nous échappe. Ça va marcher, ça. Mmh.
no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Qui a un chargeur, s'il vous plaît? Vous avez pas un chargeur, s'il vous plaît, les gars? Je me laisse submerger par vraiment une joie et une insouciance aussi. Passagère, mais un moment d'insouciance où je suis juste excitée comme une enfant de 8 ans qui ouvre son cadeau de Noël, quoi. Je veux tout savourer. Pas trop vite, doucement. Je veux pas être la chanteuse de... D'un morceau. Ouais, ça me fait chier ça, tu vois. Tu vois, souvent les gens ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent j'adore ta chanson. Ben oui, tu sais. Ben oui, parce que c'est celle qu'on... Puis j'ai peur parce que souvent, il y a des artistes comme ça qui ont une chanson qui fonctionne et puis après, ben oui. Tu les entends plus. Non, mais tu les entends plus, tu les entends pas de manière... T'as pris. Quand est-ce que t'as pris? J'ai toujours été très fan de mon père. Je trouve que c'est un musicien incroyable et j'ai toujours trouvé ça très injuste, le fait qu'il ait pas pu en faire son métier. Et je pense que ça m'a tellement... indignée, que j'ai ressenti la responsabilité finalement de conjurer le sort et de moi-même faire d'aller plus loin qu'il n'avait pu lui y aller, quoi. C'est très intime, j'en ai jamais trop parlé avec lui, par exemple. Je fabrique rien de concret, je suis pas comme un boulanger ou quelqu'un, voilà, qui va vraiment tous les jours créer quelque chose de matériel, d'utile, de voilà. Et je culpabilisais vachement de ça. Je me disais, mais ça sert à quoi ce que je fais en fait? C'est un espèce d'ego trip débile. Jusqu'à ce que on écoute mes chansons et qu'on m'écrive et qu'on me dise, tes chansons me font du bien. Je commence à croire que en fin de compte, ça, on a un métier qui est tout à fait utile et que. Et que avoir écrit des chansons, même sur l'amour en général ou sur les femmes, c'était peut-être le truc le plus, finalement, le truc le plus utile que j'ai fait de ma vie. Je viendrai bientôt auprès de toi me coucher tôt. Oh putain, non, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Oui. On l'a un peu volé, hein. Il est trop beau. Mais je suis en chaussettes et tout. Mais c'est bien. Ah, ouais. Mais il est trop beau. Grosse fête. Voilà. Je suis trop fière. Trop bien, non? Ouais. Moi, je suis en chaussettes, quoi. Je suis remise de disque d'or en chaussettes. Super. Regarde, c'est mon disque d'or. Je vais le montrer au serveur. Alors ça, c'est mon disque d'or. Ah bon? Oui, qui c'est qui l'a pas vu? Ah là-bas. Et mes parents, ils... Trop bien. Bah, ils s'étaient même, en fait, ils sont partis. Je suis trop contente. Attends, je fais quelque chose. Oh. C'est bon. Non. Hein? Dis-le, ce truc. Ne m'empêche pas de le dire, à moi. Allez. C'est pas ça. Et on est plus loin là-bas. Et oui, c'est pour ça. Regarde, t'es vraiment pour nous, quoi. Ça va? Oui, ça va. C'est trop d'émotion. Oui. Ouais. Hé, hey, non. Oh, allez, décharge. Allez. 4 heures, quoi. C'est marrant en même temps la nuit. C'est comme un genre de monde parallèle, quoi. C'est drôle, il y a des gens qui sont pas du tout les mêmes la nuit, qui se transforment la nuit, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, ça a un effet sur moi, la nuit. C'est le silence, c'est
l'obscurité et tout, moi je sais que je switch, quoi. Je suis beaucoup plus profond, je suis beaucoup plus dans l'introspection, j'ai des crises d'angoisse horribles. Ouais, faisons une première version et au pire on changera en loge, on s'en fiche. Est-ce que c'est... la seule solution c'était de mourir seul? Ouais. Et du coup t'as solidé. Ah oh, putain la brute, putain. Bon, on va se démerder. Ouais, ouais, t'inquiète. Pourquoi on prend une balle dans le sol? C'était trop pour toi? Je sais pas, j'ai pris la tonalité quand on a chanté. Ah merde. On avait fait ça pour faire ça. Ouais, mais bon, ça peut se faire, ça peut se faire. Pourquoi tu te préfères en sol? T'es plus à l'aise? Ça serait sensiblement. On serait tous plus à l'aise, je pense. C'est pas hyper compliqué, non? C'est la fête, ce soir. On essaye, on voit. Ok. On reprend, je pense pas là. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu, comment il est mort? Ça vous a plu, vous en parlez encore? Alors écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Il arrive, il dit c'est pas les bons accords. On se dit merde, est-ce qu'on va être prêt pour ce soir parce que on veut que Benjamin soit confort sur la chanson et qu'apparemment c'est pas la bonne tonalité. On avait peur, mais au moins voilà, ça nous a mis en condition de concert. Moi j'ai l'impression d'être assez nue finalement sur scène. Ce qu'on prend pour de l'assurance souvent sur scène, parce qu'on m'a dit souvent oh, tu sembles assurée et presque froide. Je crois que c'est ce qui reste de ma timidité, quoi, plus qu'autre chose. Je suis un peu pétrie de contradictions, quoi. Entre voilà, ce truc d'être hyper accompagnée, hyper seule, le fait d'être à la fois très pudique et assez impudique pour parler autant de moi. Aussi intimement devant des gens. Je suis une grande amoureuse. On n'a pas beaucoup parlé d'amour. J'aime l'idée d'être amoureuse, j'aime le déséquilibre dans lequel ça me met, comme ça, dans un truc où je perds mes moyens, je perds mes repères. J'aime ce danger-là, ce truc assez indescriptible. Je suis quelqu'un de très intense, je suis intense en amitié, dans la vie, etc. Mais en amour, une forme de folie comme ça, qui est un peu comme quand j'étais petite, moi j'adorais avoir la fièvre. C'est bizarre, hein, mais quand j'avais de la fièvre, j'adorais ce sentiment, cette sensation comme ça, un peu d'inconscience. Et peut-être que c'est ce que je cherche encore à l'âge adulte, dans le sentiment amoureux. J'aime bien me perdre un peu, quoi. Voix.
insomnie. Souviens-toi de ma bouche, souviens-toi de mon goût. C'est la dernière fois que tu me vois. C'est la dernière fois que tu me vois. Dernière fois que tu me vois. J'avais envie de parler de mon corps. Alors que je suis quelqu'un de très pudique, hein, mais il y a beaucoup de chansons qui parlent de peau, de goût, de parfum, de seins, de genoux, et j'avais envie que ce soit un disque qui parle de ma sensualité aussi, et du coup, sans que ce soit érotisé forcément, mais ouais, ça aborde une certaine facette en tout cas de ma féminité. Attendu toute la journée dans mon jus, là, je commence un peu à bouillonner. Quoi. Je commence à trouver les murs étroits, quoi, j'ai envie de... Ah ! Maintenant, il faut que ça commence, quoi. J'ai qu'une seule envie, c'est que ça commence. Que je vais pas réussir à tenir debout, et j'ai encore moins l'impression que je vais réussir à jouer ce soir, et un truc comme ça où j'ai peur que ça s'arrête, j'ai peur d'être la fille d'une chanson. J'ai peur que les gens aiment la grenade, mais qu'ils s'en fichent toujours du reste. J'ai peur que... Je sais pas, parfois j'ai peur qu'il y ait un malentendu. Il y a 85 000 personnes qui ont fait le karaoké, la grenade. Comme j'ai l'air de toi.
Je me rappelle la première fois qu'il y a des gens qui ont commencé à chanter les chansons, c'était l'année dernière à Solidays, en juin aussi. Et j'ai chialé. Je suis descendue d'une scène, je me souviens, et mon père et tout, et j'avais les jambes comme ça. Et je disais, mais c'est pas possible. Les gens, ils chantaient les fleurs, ils chantaient la grenade et tout, alors qu'on avait dû vendre 10 albums. Et j'étais là, genre, waouh! C'est trop beau. Faut pas oublier que c'est quand même un tout petit peu violent ce truc-là, en fait. Enfin, ce qui est violent, c'est plus la redescente après, c'est genre, attends, mais c'était quoi exactement et pourquoi c'est pas comme ça tout le temps et... Ce truc de contraste, d'être hyper accompagné, hyper aimé, hyper... Et puis tout à coup... aussi un truc où je me demande toujours un peu si c'est réel aussi, tu vois. 115, alors 115. Tu redeviens normal et puis tu vois, tu quittes ton habit de scène, tu redeviens juste banal. Je sais pas, parfois j'aimerais qu'il y ait 3000 personnes qui soit chez moi et qu'on fasse la fête et qu'on s'endorme comme ça. Quoi. Il y a un truc qui est très dur pour moi, non, le fait de redescendre. Le regard des gens, l'amour des gens, recevoir un prix comme les Victoires de la musique, c'est des choses qui soignent un peu un manque de confiance en soi. Le problème, c'est qu'il faut le soigner aussi autrement. Parce que si ça disparaît, il faut pas que du jour au lendemain, je me dise que je veux rien, quoi. Je pense que c'est un peu comme quand les gens attendent d'une relation amoureuse que ça les soigne de tout. Je pense que c'est pas bien de faire ça. Je pense que les vrais remèdes, il faut les trouver à l'intérieur de soi, tout seul, en fait. Même si, évidemment, ce que je vis, ça m'aide énormément. Mais je pense que pour être plus sage et plus philosophe, je crois qu'il faut chercher cette guérison ailleurs. Il y a quelque chose du dépucelage. De fierté et l'impression que j'écris un moment important de mon histoire. Laissez-moi vous les autres. Oh, mon arbre. C'est les plus beaux moments de ma vie, c'est incroyable. C'est incroyable d'en être arrivé là, en fait. J'aurais vécu ça et c'est trop beau. Être acclamé par 3000 personnes et rentrer dans l'appartement vide et dire ok maintenant. Enfin, il y a un truc comme ça de chaud-froid, c'est ça qui est le plus compliqué, je crois. De toute façon, c'est une vie qui est pas normale. Mais bon, c'est celle que j'ai voulu.